Il y a quelques instants, nous avons admiré ensemble l'œuvre d'un photographe français, Réan, qui a fait du Vietnam son pays d'adoption. Et je vous remercie de cette œuvre photographique que vous m'avez offerte. Il s'est capté, justement, dans le sourire qui était ainsi photographié, une part des mystères qui sont ceux de votre pays. Et il évoque en cela, en quelque sorte, cette phrase qui vous est chère, ce proverbe asiatique, « Le sourire que tu envoies revient vers toi ». Et la France et le Vietnam, après une si longue histoire commune, se sourient aujourd'hui et vont ensemble vers un avenir partagé. Nous avons beaucoup à faire, je viens ici d'en dessiner quelques-uns des grands axes, mais je crois que nos échanges ont montré que nous sommes convaincus ensemble qu'en se souriant mutuellement, nous avons beaucoup à apporter à nos deux pays et je viendrai l'année prochaine à votre invitation au Vietnam pour consolider ce travail. Merci, Monsieur le Secrétaire général, et je vous cède la parole.